Des pistes cyclables trop noires à Toulouse pour l'association Vélo, comme ici par exemple sur la digue Garonne qui mène à Blagnac, elle est dépourvue d'éclairage. Le problème se présente également entre le pont des Demoiselles et Ramonville, un problème d'autant plus important que la nuit tombe plus tôt l'hiver. Il y a malheureusement des vélos qui roulent non éclairés, il y a aussi des promeneurs, des joggeurs, donc c'est vrai que même quand on a un vélo qui est soi-même bien éclairé, on a du mal à voir les obstacles, à voir les cyclistes qui arrivent en face et il y a un risque clair de collision. En plus, il y a également un problème lié à l'insécurité qui peut se poser, au moins au niveau du ressenti. Un problème que la ville de Toulouse compte régler par l'installation de 200 plots solaires d'ici février, car si le budget consacré au vélo est de 11 millions d'euros par an, l'éclairage, lui, n'en fait pas partie. L'association Vélo, qui demande plus qu'un simple balisage, appelle au rassemblement demain, place du Capitole à 18h.